pas de le voir. Ah. Est-ce que j'aurai le temps? Est-ce que j'aurai le temps? La braise est restaurée. What? Le jeu m'a fait un mini freeze. Le jeu m'a fait un mini freeze. Oh là là. Le jeu ne peut plus contenir tant de puissance. Putain, mais tu le crois ça? Le jeu, il arrive même plus à suivre. Ah bah, vive la PS4, hein. Et ils ont à peu près la même barre de vie. Droit à l'erreur. Mais il me reste encore pas mal de points de vie à tomber de leur part. Attaque-moi. Ah, si. La prochaine téléportation peut être clairement fatale. Attaque, attaque. Oh, ça se tue. Eh merde. Dommage, mais c'est faisable. Dommage. Ah, dommage, il était pas loin de tomber. J'ai voulu prendre le challenge en utilisant une braise, je me suis dit, oh, allez, pourquoi pas. Ben, j'ai failli. Ah là. Eh ben non, super tentative là, superbe tentative. Oh, pfff, oh, crevé. Eh ben allez, on va changer complètement de coin maintenant. On va retourner au niveau de la capitale profanée pour aller dans le domaine des dragons. Ah, oh, c'est dommage, franchement c'est dommage, ça se passait pas si mal. Ah, la toute fin là, si j'avais eu plus de fioles, clairement je l'aurais battu. C'est complètement con de dire ça, évidemment, n'importe qui avec 3 tonnes de fioles peut vaincre n'importe quel boss, mais... Ah, c'est dommage. Quelques esquives un peu trop tôt, et voilà. Ah, franchement, un bon combat, là, je me suis dit, ouais, dernier combat, ça va pas être bien beau à voir, ah bah si. Comme quoi, je le maîtrise, et je ne pense pas qu'il me faudra, enfin j'espère... Je pense pas qu'il faudra des millions d'heures d'essai pour me tuer. Là, clairement, on est vers le cœur challenge, le pur, le dur. Hein. Les derniers boss du jeu, bon là, outre la vouivre ancienne, mais parce que pour moi, c'est juste un sac à PV ultra résistant. Enfin, plutôt même pas un sac à PV, c'est juste un truc ultra résistant. À part ça, tous les autres boss, c'est des boss de fin de jeu assez difficiles. Ce qui est difficile, c'est qu'ils se font en deux phases. Oh, j'aurais pensé que ça allait être une braise.
Le plus difficile, c'est qu'ils se font tous en deux phases. Donc, c'est délicat quand même. Sais, tu dois leur faire tomber une barre de vie, puis oh, ils deviennent deux fois plus forts, encore une autre barre de vie. Oh là, c'est difficile. Je suis le dragon piquant. Ah, je suis un petit peu dégoûté pour ce Trikelorian, mais bon, tant pis, c'est pas grave. The dragon. Awake, the dragon. Ok. Bon. Donc le Trikelorian c'était pas fameux, mais en même temps j'ai failli les tuer. Donc ça se fait clairement. Mais je sais pas combien ils ont de points de vie en phase 1 et en phase 2. Enfin, je regarde tiens, sur le wiki. Je sais pas, l'Orient je trouvais qu'il avait l'air d'avoir un poil plus de vie, ou je sais pas, je le trouvais un peu plus résistant. Enfin, c'est peut-être moi, hein, c'est une impression. Et voici le pic du dragon ancien. Welcome. Ah ouais, je peux les stun avec une roulade. Ça, c'est formidable. Ouais. Bon. Bah, je vais me casser, hein. Bon. Voilà l'étape la plus difficile de ce niveau. Allumer le feu sans que tous les mobs ne viennent à toi. Ce qui va être impossible. Ah si, si. Voilà. Bon bah maintenant techniquement je m'en fous, je peux mourir, c'est pas un problème. Putain, en plus l'anneau de résistance à la foudre il est plus loin là-bas. Dans l'aventure. Ça je le sais. Je vois parfaitement où il est, je le situe très bien. Bonjour monsieur ou madame. N'empêche, ça m'a fait rire la mini freeze. Mini freeze, tout va bien. L'accès de foudre. Aïe 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 aïe. Aïe. Oh, énorme quoi. Oh putain, ça fait formidable, formidable. Alors une petite seconde d'attention les amis, je fais une ellipse très rapide et je reviens dans une seconde, à tout de suite. Et de retour les amis, de retour, voilà, après une petite ellipse. Alors, eh ben on va aller faire ce fameux boss, hein. On est content d'aller se faire la vouivre qui va durer 10 ans pour rien. Putain, j'ai même pas envie. La non-motivation est là, quoi. Salut, boss qui va m'occuper pendant 15 millions d'années. Glitchy, glitchy, glitchy. Cheese, motherfucker, cheese. Voilà, en fait, elle ne te touchera jamais. On va attendre qu'elle tue les mobs. C'est pas mal, hein. Tu devrais y donner un petit peu plus d'entrain, un petit peu plus dans le souffle, tu vois. Ouais, un petit peu mieux, mais bon, j'ai l'impression que c'est à peu près pareil, hein. Recommence pour voir. Ouais, bon, c'est pareil. Ok. Alors. Waouh, 5 de dommages. C'est énorme. Ah, ça m'a touché. Mais d'où ça me touche?
La pâte, elle est à 4 km! Toi de ma gueule, putain! Fous-toi de ma gueule! Tiens, rien! Qui c'est qui se fout de la gueule de qui maintenant, hein? Et si je reste là, elle fait quoi? Elle sort. Ça te dit un combat de boss long et chiant à regarder? Ouais, je sais que ça te dit, hein. Allez. Merde. J'ai pas pu avoir le coup. Pas évident de choper le timing. Elle se repose. Elle crache. Là, elle m'attaque. Elle se replace et boum. Je crois que j'ai à peu près compris le timing. Ouah, putain, elle s'est décalée! Oh, attends, mais c'est génial! Aïe! Moi, c'est Raven! Intouchable! Oh! Mort! Non, non, non. Elle a niqué mon spot, quoi! Oh, ouais. Elle a niqué mon spot, la conne! Si je me remets là, comment... Qu'est-ce qui se passe? D'accord. D'accord, elle a niqué mon spot. Est-ce qu'il se passe la même chose si je cours par là? J'ai une petite braise. Ah oui, c'est fumant par ici. Voilà, là, notre protection d'acier qui... Putain de merde, elle peut te brûler jusque là. Je suis coincé, en fait. Ah ouais. Vous êtes mort. D'accord. Bon, là, notre protection d'acier, c'est... C'est au cas où, c'est comme ça. C'est... Voilà, ça me fait plaisir. Bon. La vouivre ancienne, d'accord, donc je peux pas la niquer sur le safe spot comme ça. Enfin, une fois qu'elle se décale, c'est fini. Bon, safe spot ne sert pas à grand chose dans ce cas-là. J'ai pas mis la protection, tu vois. Je l'ai même pas eu à la tête. Regarde, ça ne m'a pas touché, y'a quoi qui me touche là? Le vent. Là c'est la queue, j'ai compris. On attend, on attend. Maintenant! J'en ai pour une éternité. Une éternité plus tard. Shit! Putain!
pas attendre. Vas-y, attaque. Maintenant. Là, j'en ai pour un temps extrêmement long en fait, j'en ai pour presque plus longtemps qu'Yorm à ce rythme. Aïe. Aïe. Pas répliqué, je peux rien faire. T'sais. En fait, le problème que j'ai, c'est que je peux lui faire que 10 de dégâts toutes les X minutes. Tu calcules combien de temps il me faudra pour lui enlever 7000. Même à la tête, ça lui fait que 5 de dégâts. Ah. Bon bah là, je l'ai décalé. De dégâts, en fait, c'est une bénédiction. Ça veut dire qu'elle est sensible à la tête, mais aussi tout le cou. Sur toute la zone du cou, en fait. Ah, ça, sans déconner, c'est bon à savoir. Ça, on avait dit que ça augmentait pas les dégâts. Ouais, ça me serait vachement utile. Wouhou. Ah, je sais ce que je pourrais faire. Mais j'ai pas l'anneau sur moi. Merde. C'est bon. Pauvre Kirk. Qu'est-ce qu'on est en train de te faire faire, mon pauvre Kirk? Oh putain. Ah là, t'es trop bien calé là. Aou. Marrant, j'ai pas pris l'anneau de pierre l'arme rouge. Ah merde. D'accord. Là, elle m'a poussé. Ouais. Là, j'ai pas l'anneau de pierre l'arme rouge, tiens. Peut-être qu'on pourrait faire plus de dégâts. Je sais pas s'il fonctionne, si l'anneau de pierre l'arme rouge. Ça, je l'ai pas ramassé parce que je trouvais que c'était pas utile. Mais finalement, peut-être le prendre. Ouais, il n'y a qu'un aller-retour simple à faire, pour 2 secondes. C'est l'armure de tueur de dragon. Tu sais, voir les vrais dégâts. La puissance max de Kirk. C'est que ça? Ouais, c'est pas bien beaucoup. Je pense qu'à mon avis, on va pas gagner, tu sais, les... Un anneau qui te dit tu gagnes tant de pourcentage de dégâts en plus. Ouais, sauf que
Le pourcentage, il a beau être élevé, si la valeur de base elle est ridicule, pas gagner grand-chose, hein. Si je fais 5 de dégâts à la tête, je vais pas avoir 10 quoi. Pour avoir 10, faudrait que j'ai 100% de dégâts en plus. Oh, en fait, ça sert à rien. On va voir. Du coup, faudra que j'enlève l'anneau, mais on l'enlèvera après. Alors, anneau, où es-tu? Voilà. Allez, on y retourne. Enfin, d'abord, j'allais ramasser ce qu'il y a là. Petite pièce. Et une écaille. Perfect. N'empêche, on en a tué des boss hein, depuis le début de cette aventure. Hein. Voilà. C'est vraiment la run de l'impossible. Et en même temps, ben. Pas si impossible que ça. Bah, l'autre Icalorian, ça m'énerve, mais comme je vous l'ai dit, j'essaye de pas trop vous faire des sessions trop longues où on voit la même chose. Déjà que les combats de boss sont assez longs. Si ça ne tenait qu'à moi, je vous le dis, hein, moi je peux passer 2 heures sur le même boss, y a pas de problème. Hein. Y a absolument aucun problème. Mais bon, je suis à ce point obstiné. Voilà. Le bâton de l'hérétique. La grande hache du démon, excellente arme que je recommande. Avec une hitbox complètement craquée d'ailleurs. Le truc, il est pas très grand, mais il tape vachement loin quand même, hein. C'est complètement bizarre. Oh, remarque, s'il pouvait m'affaiblir, ce serait pas plus mal. Bonjour, affaiblissez-moi, messieurs. Enfin, faire mieux que ça, messieurs! Sérieux là, je suis pas en Pierre l'arme rouge. Voilà, t'as ton bœuf! Je sais pas, il y avait rien d'écrit. Tu sais, j'ai plus de vie, mais non. Nope. Attends, je vais vérifier quand même que je l'ai bien équipé, mais c'est ouf, quoi. D'accord. Bon, messieurs! Allez, on attaque là, hein. Voilà, c'est pas mal ça, allez. Non, à falloir faire. Oui, parfait! Merci, je n'ai plus besoin de vous. Et là, la petite. Je m'attends à la petite boule de feu en fait. Mes dégâts ont augmenté, vous ivres anciennes! Tu ne peux rien face à toute cette puissance que j'ai accumulée dans cette aventure. Bah, j'espère que ça va faire un bonus de dégâts. Elle a un peu de temps, hein, mais ça y va. Allez. Ah, oh, tu le mob. Merci. Ok. Attention, et maintenant. Wouah, 6 de dommages! C'est énorme! Et j'ai envie de dire, c'est toujours ça de prix. Le pire.
Bon, vu que ça risque de prendre extrêmement longtemps, mais ça va prendre plus de temps qu'heure à ce rythme-là. Si je lui enlève 12 de dégâts toutes les 30 secondes, putain. Bah même pas, allez, toutes les 20 secondes, allez. Ça fait quand même un temps assez chiant. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je veux tester quelque chose. Attention, je n'ai pas dit que j'allais utiliser mes points. Vous savez, on a prouvé par A plus B hein, que des dégâts de chute, quand je tombe sur quelqu'un, ça fait des dégâts. Bon là, forcément, je lui tombe pas dessus, mais ça fait des dégâts. Ça, on l'a prouvé. Je sais pas sur qui là je peux le démontrer. Mais... Putain, je fais exprès. Bon, je fais exprès pour démonter toute ma théorie, mais on a vu que c'était faisable. Si tu sautes sur un gars, ça fait des dégâts. Donc, ma question c'est, est-ce que si je saute sur la vouivre, la tête de la vouivre à la fin, est-ce que ça fonctionne ou pas? Bon, je m'attends à un non. Pourquoi non? Parce que c'est un script qui s'enclenche quand on lui saute dessus et qu'on lui fait une attaque plongeante. C'est-à-dire, c'est pas le jeu qui, voilà, lui a fait des dégâts astronomiques sur un coup. C'est un script. Donc logiquement, ça ne devrait pas fonctionner, mais... Sait-on jamais dans le désespoir. Parce que là, clairement, c'est encore un de ces boss que je peux pas faire avec vous en vidéo, puisque sinon ça prendrait... une session complète de 2 heures pour à peine l'affaiblir. Alors, fait intéressant, je lui ai enlevé beaucoup plus de vie, 24 au lieu des 5 de base. Mais évidemment, vu qu'elle a 7000 points de vie, ça ne va pas la tuer, donc oui, c'est effectivement un script qui s'enclenche, que ce soit une arme, un point... c'est effectivement un script. Mais on a prouvé donc que c'est possible de lui faire des dégâts, simplement en lui tombant dessus avec les dégâts de l'armure. Le problème, c'est que ça nous one-shot. J'ai pas l'anneau du chat. Ça voudrait dire qu'avec l'anneau du chat, en faisant le parcours indéfiniment, on pourrait faire 24 de dégâts à la tête de la vouivre. Sachant que je peux lui faire 12 de dégâts sur un chemin, sur un aller, on va dire, de roulade, ça vaut même pas le coup. Même avec l'anneau du chat, ça vaudrait pas le coup. Mais vous voyez, c'est ça, c'est parlons stratégie un petit peu. C'est pas essayer de faire croire que le jeu, ça y est, faut bourriner et ça y est, c'est fini quoi. Ou savoir faire de bonnes esquives. Mais tu vois, parce que l'anneau du chat, ça annule carrément les dommages, je crois, de chute. Mais ouais, même comme ça marcherait pas. C'est encore plus rentable de faire la technique que je faisais au tout début. Mais c'est quand même la merde. C'est la sacrée merde. Y a pas un anneau en fait là-bas. Je sais qu'il y a un serpent qui me suit, c'est pas grave. Ok, me bloque pas. Y a quoi ici? Je sais qu'il y a un... Non, y a rien là. Sérieux? Je sais qu'il y a un... Et confiance. Crois en moi.
C'est la merde, c'est la merde. C'est la douloureuse là. Non, peut-être que quand il se pose. Putain, je vais pas toucher, pas toucher. Ah, il craint à la queue aussi. Il est même plus sensible à la queue, tiens. Comme c'est étonnant. Aïe. Oh, c'est même pas plus rapide de faire comme ça, hein. J'y allais à la bourrine. Aïe. Alors la hitbox elle est vraiment craquée, je suis désolé. Hein. Je m'énerve un petit peu sur cette hitbox, mais c'est la réalité quoi. Putain, d'escalier de merde. Je suis pas bon là. Ah là c'est mieux. Ah, ça passe comme ça. Ce serait une strat à utiliser. Non mais... Faut arrêter là. Ah, un dégât. C'est marrant de faire des calculs. Si je lui fais des dégâts aussi misérables, combien de temps faudra-t-il pour le tuer? En supposant que je me fasse jamais toucher et que je lui fasse des dégâts à chaque fois dans le même temps. Tu te rends jamais assez compte de ton infériorité quand tu te prends une bife de dragon dans la... Voilà. Tiens. Garde, qu'est-ce qui m'a touché là? Concrètement, qu'est-ce qui m'a touché? C'est le vent. Tu vois, c'est pour ça que je rage sur la hitbox de ces wyverns. Les hitbox sont complètement craqués. Enfin, sur le dragon ancien de Dark Souls 2, c'était pareil. Bah, franchement, je préfère encore Referior, c'était plus simple. Trop long mais trop simple. Putain, je vais faire 6 de dégâts quoi. Garde ça. Mais putain. Mais ça, tu le montres à FromSoft, tu dis non mais les gars, vous avez fait vos tests là. Note.
J'ai vraiment cru qu'il allait se passer un truc comme un abruti. Putain, y a rien qui me touche, stop. Tiens, 5 de dégâts, ça te plaît? Oh, cette vouivre est encore pire que Yor. Je pensais pas dire ça un jour. Hein. Regarde, mais putain, mais rien ne me touche là. Hitbox craque de ce boss. Ah, est-ce que ça va marcher? Yor. Je sais plus où j'en suis, moi. Ça tourne. Oh, salut. Ah. Attends, viens là le mob. Est-ce que tu peux attaquer le boss pour moi? Allez, viens. Bon ça, viens. Plus près. Plus près, je te dis. Non mais attends, avec un peu de chance, le boss, le mob, il peut peut-être lui faire des dégâts. Ouais, Raven a de grands espoirs dans la vie. Et attaque! T'en prends pas une, le mob, allez! Bon, ça a pas l'air de lui faire de dégâts. Hein. Attaque avec ton arme. Bah, c'était une bonne tentative. Donc les mobs ne peuvent rien lui faire. C'est con, sinon j'aurais attiré tous les mobs de la zone. Ah, mais là c'est... C'est l'abus, c'est l'abus. Bah c'est bien, moi tout ça, ça me permet de faire des tests. Me dire que je suis dans la merde. Concrètement pour ce boss. Quand rien ne te touche. Ah putain, je me suis pris une queue dans la gueule. Sorti de son contexte, c'est vachement bizarre. Je ne reculerai pas devant toi. Oui, verrai. Je vois pas de meilleure technique, mais le problème c'est que ça lui fait vraiment rien. J'en ai pour deux plombes et demi. Et il me fait beaucoup plus de dégâts qu'Yorm. Yorm, j'ai esquivé trois quarts de ses attaques. Si ce n'est pas même plus d'ailleurs. Ah, le Kirk Challenge là est devant un sacré obstacle. Sans mauvais jeu de mots, une épine dans le pied. Non mais regarde, si je continue comme ça, même si la vouivre ne me touche pas, j'en ai pour un moment. Putain, un PV à chaque fois.
Bon, j'ai eu la même protection d'acier, ce qui est déjà pas mal. Ah, j'adore, visuellement absolument rien ne me touche. Comme si il avait une perte. Ah, j'ai mal au pouce. Ah merde. Ah, pas mal là, le spot. Ah merde. Ah, pas mal là, le spot. Pas mal. Ouais, sauf si elle continue d'avancer. Et j'essaie de me faire chier aujourd'hui. Et plus de fioles, plus rien. Ça court d'idées. Remets-toi dans la position que j'aime bien. Voilà. Qu'est-ce qui me touche? Putain, mais visuellement, y'a rien qui me touche. Je te jure, la Xbox. Ok, je suis fait tuer par de la fumée. Putain, comme ça va être chiant. Moi qui pensais que Yorm serait le pire. Putain. Finalement, vouivre ancienne. Ouais, je suis en train de m'étirer, hein, excusez-moi. Ouais, la vouivre, ça va être la merde. Bah écoutez, si ça vous dit, on va faire une dernière fois l'Autrique et l'Orient. Histoire de terminer la session. Ce sera bien que je termine sur une victoire de boss, mais... bah, j'en suis pas sûr. Faut en fait pas que je me fasse toucher en phase 1. Voilà. Bah, c'est quand même plus facile de pas se faire toucher en phase 1 qu'en phase 2. Allez, on va essayer. On verra bien ce que ça donne. Hein. Bon, cette fois-ci, j'utiliserai pas de braise, sauf si vraiment je suis à deux doigts de le tuer, que voilà. Enfin, quand je dis à deux doigts, c'est-à-dire qu'il lui reste des points de vie jusqu'à leur nom, on va dire. Allez. Bon, avec l'anneau de protection d'acier, ça devrait être quand même mieux là, non? On devrait être pas trop mal. Sur l'anneau d'Avel, je suis à 30 tout pile. Donc, il me semble c'est à 29,9 que ça se met en route. Les roulades, les fast rolls, roulades rapides. Et à 30, non, c'est pas bon. Ça me fait chier, putain, je suis à rien. Il faudrait que je tue encore un boss, quoi. Ou que je farme. Ou c'est vrai que c'est tellement simple de farmer dans le jeu. Enfin, oui, c'est simple, mais pas avec cette armure. Avec cette armure de con. Oula oula. Pas trop vite en besogne. Hein. Les immondes statues quoi. Ils sont pas dégueulasses. Donne-moi ça. Qui voudrait ça dans son royaume quoi? Faut avoir un sacré goût. Hein. Un sacré goût. Chiotte! Oh, des dégâts!
Je viens d'oublier de ce que c'est. J'ai oublié ce que c'était de faire des dégâts dans un jeu. Barre de vie qui diminue.
Putain, mais il fait mal ce.
Ah. Ah. Ça y est, je fais n'importe. Oh, quel con! Merde! Oh non, j'ai fait le con! Boulet! Oh, ce boulet! Je pensais que ça allait faire comme tout à l'heure, passer dans ma frame d'invulnérabilité. Que de chi, walou! Merde! Bon, tant pis. Tant pis. Tentative foirée. Mais bon. J'ai vu que je pouvais bien y arriver, mais encore une fois, c'est la moindre erreur. Après, t'es déconcentré, tu fais que t'en prendre plein les gueules. Bon, bien écoutez, une session, ma foi, incroyable, puisqu'on n'a pas avancé d'un chouïa. Enfin bon, si, on a avancé, mais en termes de destruction de boss, non, pas du tout. On a rien foutu de plus. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, il me reste juste la vouivre ancienne que je sais pas du tout comment je vais faire. J'en sais rien. Bonjour madame. Merci. Ok, bon. Ouais, bah je sais pas. Pour l'Autriche et l'Orient, c'est qu'une question de temps. Ah tiens. Hé hey. Attends, il y a quand même un truc qu'il faut absolument faire. Yorm, le géant de la capitale profanée. Mort! Oh yeah. Voilà. Putain. On va quand même disposer un petit peu les têtes, hein, parce que bon... Merde, faut pas je roule à côté des PNJ, ils vont avoir mal et ils vont me détester. Alors... Tiens, toi. Voilà. Donc lui, il est toujours là. C'est marrant, si lui, ça avait été un boss, qu'est-ce que ça aurait pu être? Une demande. Loudlet. Et voilà. Pas évident, celui-là. Bon. Donc il me reste plus que l'Orient, l'Autrique. Ensuite, on débloque l'accès au boss de fin. Et puis voilà. Je vais essayer de les faire hors caméra et puis on va voir hein, si j'y arrive ou pas. Je pense que ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Ça pourrait me prendre 4 heures comme ça me pourrait me prendre 4 minutes. Enfin, j'exagère évidemment, mais voilà. Donc on verra. Bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette session de Dark Souls 3. N'hésitez pas comme d'habitude à laisser un commentaire et un énorme pouce bleu pour m'encourager dans cette grosse aventure, la run de l'impossible. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est faisable de finir le jeu avec l'armure de Kirk uniquement, sans armes, sans objets, sans coop, sans rien d'autre? Écoutez, pour l'instant, on est quand même arrivé vachement loin. J'ai failli battre le Trickelorient, donc eux, pour moi, c'est largement du domaine du faisable. Domaine du faisable, le boss de fin, je sais pas. Le roi sans nom, j'en sais rien non plus. Mais par contre... La vouivre ancienne, je ne sais pas, c'est très très difficile. Voilà, nous verrons bien dans de prochaines aventures. Je vais vous dire en tout cas, à très bientôt la prochaine pour autre vidéo, salut! And don't forget to taste the booyah!